Rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop! 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 Et hop! 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 Hey, gagnes-tu? Mais en que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Ce profil de Fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Bonjour, je m'appelle Félix, j'ai 12 ans. Je fais du vélo de montagne depuis beaucoup d'années, depuis l'âge de 7 ans environ, puis je trouve ça vraiment cool. En vélo de montagne, il y a différentes disciplines. Il y a la descente, qui est vraiment seulement de descendre le plus rapidement possible dans les côtes. Et puis, il y a aussi le cross-country. Le cross-country, ça se fait sur des sentiers, puis c'est vraiment des distances à parcourir dépendant des catégories. J'aime bien les monter. Je trouve ça cool parce que toutes les autres trouvent ça épuisant, mais moi, j'ai pas mal de facilité là-dedans. Puis aussi, l'adrénaline, puis tout en descente, puis tout. Pas mal tout, en fait. Les jeunes qui s'intéressent au vélo de montagne sont souvent un peu casse-cou au départ. Alors, ils aiment descendre, ils aiment faire des sauts avec leur vélo, ils aiment lever la roue avant, ils aiment faire des slides avec la roue arrière. Fait que ça, c'est ce qui attire les jeunes au départ. Puis ensuite, à un moment donné, ils sont très surpris de savoir qu'en vélo de montagne, il faut aussi monter des côtes. Alors là, on va avoir des jeunes sportifs. Ils deviennent très, très habiles sur les vélos. Puis à un moment donné, le jeune qui aime se dépasser, il va probablement aimer s'entraîner en vélo de montagne. C'est sûr que c'est difficile quand il y a beaucoup de racines puis beaucoup de bouettes parce que je dirais que quand tu piles sur des racines, tu vas glisser comme un fou, là. J'aimerais bien faire les Jeux du Québec, mais j'aimerais vraiment avoir au moins une position dans le top 3 parce que c'est important, là. J'aime vraiment ça, puis j'aimerais au moins avoir une bonne position. We'll be right back.
Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Je m'appelle Catherine Robillard, j'ai 15 ans. J'ai participé aux Jeux du Québec à Shawinigan en triathlon. Je fais du triathlon depuis 6 ans. Vraiment chargée parce que je fais du piano puis de la guitare. À chaque semaine, j'ai des cours de piano. Il faut que je pratique une heure par jour en plus de mes entraînements que j'ai comme plusieurs fois par semaine. Puis je vais pas laisser un pour l'autre parce que j'aime autant le sport que la musique. Triathlon, je trouve ça vraiment complet comme sport. C'est pas juste une discipline. Tu peux, admettons que t'es moins bon dans un sport, ben tu peux te rattraper dans l'autre. Puis c'est, je sais pas, c'est le fun. C'est plus comme, tu peux le prendre compétitif comme tu peux le prendre récréatif. Fait que c'est comme, c'est le fun. L'année passée, j'ai eu un accident de vélo. C'était quand même un accident quand même assez sérieux. J'ai eu une commotion cérébrale, je me suis cassé le bras, j'ai eu deux opérations. Fait que j'ai dû arrêter le sport et l'école pendant plusieurs mois. Ça a été vraiment dur pour moi. Puis après ça, j'avais vraiment hâte de recommencer le sport. Mais quand j'ai recommencé, c'était plus difficile. Puis il fallait pas que je me décourage, il fallait toujours que j'essaie de continuer quand même. Quand je suis revenue à l'entraînement, j'ai essayé de m'entraîner comme avant, comme si j'avais pas eu mon accident, comme si j'avais pas arrêté de m'entraîner. Fait que genre, je me poussais trop. Et qu'après ça, je me suis blessée à l'épaule, puis j'ai dû réarrêter de m'entraîner. Puis là, je recommence à m'entraîner pour être prête pour les Jeux du Québec. Bon après-midi à tous et bienvenue au Centre sportif du Collège Édouard-Montpetit à Longueuil pour la présentation des finales féminines et masculines du tournoi de volleyball de cette 49e finale des Jeux du Québec. Troisième journée de compétition avec vous à l'animation Victor Henriquez. Et je vais vous présenter mon analyste pour l'après-midi, Nicolas Perron, coordonnateur des programmes à Fédération de volleyball du Québec. Bonjour Nicolas. Bonjour, bon après-midi. Alors, Nicolas, on a eu tout un tournoi de volleyball depuis trois jours et là, aujourd'hui, on arrive aux rondes finales. On peut le dire à nos auditeurs, l'Est du Québec a remporté la médaille de bronze en féminin tantôt. Et là, on va avoir une grande finale entre l'équipe de la Rive-Sud et l'équipe de Lanaudière. C'est là une grande finale. Donc, comme vous avez dit, un gros tournoi, un trois jours intense pour les jeunes. Une très belle expérience. Donc oui, on arrive à la finalité, la finale, la médaille d'or. Donc... ils sont venus pour ça. Donc, les athlètes sont venus pour se rendre le plus loin possible. Et ces deux équipes-là sont là pour travailler fort. On a quelques résultats à vous annoncer. Donc, comment les deux équipes se sont rendues à ce dernier match? Rappelons également que ce dernier match se jouera au meilleur de 3-7. Avec un troisième set à 15 points. À 15 points, les deux premiers sets à 25 points. Alors, comment ces équipes-là se sont rendues ici, Nicolas? Les deux équipes, lors de la première journée, donc on peut rappeler la phase préliminaire, ont gagné tous leurs matchs sans trop de difficultés lors de cette première journée. À la deuxième journée, les deux équipes se retrouvaient dans le même groupe. Donc, on regroupait les trois premières équipes de chaque groupe de la première journée ensemble pour faire un groupe de force. Ils se retrouvaient dans le même groupe. Lors de ce premier duel, la Rive-Sud l'a remporté. Donc, par la suite, ils sont venus... en ronde éliminatoire, en quart de finale, on gagnait leur match respectif. Même chose en demi-finale, et pour se retrouver une deuxième fois, mais cette fois en grande finale. La Rive-Sud qui joue à la maison, il y aura probablement un avantage psychologique avec une foule qui risque d'être de leur côté en étant ici, même si Lanaudière, c'est pas trop loin non plus. C'est pas trop loin non plus, mais comme vous avez dit, on s'entend qu'il va y avoir plus de spectateurs qui vont possiblement prendre pour la Rive-Sud, donc ça devrait être assez bruyant pour la Rive-Sud tout au long du match. Deux équipes quand même assez équilibrées, donc comme on le disait, comme Nicolas le disait, Rive-Sud qui a remporté le premier match, Lanaudière qui va avoir soif de revanche dans cette grande finale. On va vous laisser quelques instants en images et on vous revient pour le début de cette grande finale tournoi de volleyball féminin de la 49e finale
des Jeux du Québec en direct de l'agglomération Longueuil. À tout de suite.
Nous voici de retour au centre sportif du Collège Édouard-Montpetit pour la présentation de cette grande finale volleyball féminin, 49e finale des Jeux du Québec, avec moi Nicolas Perron, notre analyste. Alors Nicolas, nous allons présenter les équipes en présence. Tout d'abord les arbitres. Alors le premier arbitre, M. Carrie Gagnon, l'arbitre numéro 2, donc qui est en face au filet, peut-être pour préciser les gens, c'est Roland Deshaies. Et 4 juges de ligne, un à chaque coin du terrain. Jérôme Caron, Marc Trudel, Denis Barrette et Mohamed Iqbal. Pour l'équipe de Lanaudière, l'équipe visiteuse, la libéro, Sarah Beauséjour, numéro 5, Maggie Beauséjour, la numéro 6. Mégane Amos, la numéro 8, Clémence Barry. Numéro 12, Audrey Robichaud. Numéro 11, Laura Manceau. Numéro 15, Marie-Isabelle Gravel. Numéro 4, Delphine Grenier. Numéro 13, Josiane Loul. Numéro 7, Maud Pelletier. Numéro 18, Ariane Lelos. Numéro 1, Marianne Aubin, la capitaine. Les entraîneurs, Yvon Turgeon et Julie Lachapelle. Et la gérante de l'équipe, Nancy Desrosiers. On vient d'entendre l'ambiance qu'il y a ici. Comme on le disait, les gens de la Rive-Sud se sont déplacés en grand nombre. Et quand l'équipe de la Rive-Sud a été annoncée, vous avez pu le voir. Vous allez avoir beaucoup d'ambiance sur le terrain de volleyball aujourd'hui, Nicolas. Oh oui, beaucoup d'ambiance. Je pense que ça va donner, comme on dit au hockey, c'est un 16e joueur. Donc, encore ici, ça va faire le 16e joueur pour la Rive-Sud, peut-être bien. Là, une poussée d'adrénaline de plus. Et justement, l'équipe de la Rive-Sud que nous allons présenter, la numéro 1, Florence Coutier. Numéro 2, Catherine Vercheval. La numéro 3, Marianne Brousseau. Numéro 5, Gabrielle Cloutier. Numéro 6, Sabrina Maillère. Numéro 7, Charlène Robitaille. Numéro 8, Myriam Maézy. Numéro 9, Marianne Boucher. Numéro 10, Jade Gauthier. Numéro 11, Estelle Zinouyev. Numéro 12, Océane Couturier. Numéro 13, Camille Baudet. L'entraîneur-chef, Dave Brideau. Les assistants-entraîneurs, Jean-Louis Portelance et Marjolaine Sainte-Marie. Nous sommes prêts à débuter ce match. Finale féminine volleyball, 49e finale des Jeux du Québec. Nous allons débuter dans quelques instants. Présentement, vous voyez la présentation des joueuses. Je vous ai la présence juste pour vous situer. On peut dire qu'on a deux entraîneurs ici. On a plus, pour le Nazaire, hein, Yvon Turgeon, un peu plus expérimenté. On va pouvoir voir Pascal et Josette vont se tasser la barbe blanche. Donc, d'expérience comme entraîneur, contrairement à la Rive-Sud, un peu plus jeune, peut avoir mon expérience. On va voir si ça pourrait jouer un rôle dans ce match. Est-ce qu'on pourrait parler rapidement des forces de deux équipes? Est-ce qu'on parle ici de deux équipes offensives, défensives? Quel type d'équipe ce sont les deux équipes? Je dirais que, comme vous allez pouvoir voir sur vos écrans, la Rive-Sud, une équipe qui est très physique. Donc, les filles sont assez grandes, donc une bonne moyenne de grandeur, contrairement à la Lanaudière. Donc, ça veut dire une différence. Donc, au filet, une présence plus accrue, plus haute, vous permet d'avoir de faire des bons blocs et puis permet à la défensive de bien se placer. Et puis, des joueurs peut-être à surveiller du côté de la Rive-Sud, de Catherine Vercheval, qui est une bonne attaquante qui va être à surveiller. Du côté de Lanaudière, il y a la numéro 1, la capitaine Marianne Saint-Aubin, qui tout au long de la fin de semaine a connu un très bon tournoi. Donc, une bonne force de frappe, une bonne attitude pour jouer ses coéquipières aussi. Alors, un match qui va être très intéressant à suivre. Les deux équipes sont présentées. On va être prêt à commencer dans quelques instants ce premier set de la grande finale de volleyball féminin de cette 49e finale des Jeux du Québec. Alors, rappelons, ce seront deux sets de 25 et un troisième set de 15 points s'il s'avère nécessaire. Bon, traditionnel poignée de main des entraîneurs. Au service, l'équipe de Lanaudière, il me semble, qui va débuter au service. Oui.
est parti pour cette grande finale. Au service, Maggie Beauséjour pour la Naudière. C'est un premier point pour la Naudière. Une très belle tentative de la part de la Rive-Sud de commencer avec une attaque au centre pour établir les marques là, pour que les joueurs de centre de l'autre équipe se compromettent facilement. 1-0, la Naudière, Beauséjour au service. Un beau séjour, superbe service sur la ligne, 2-0. Un service flottant qui est tombé juste au bon endroit. Au bon endroit, il y a un ballon qui peut bouger dans les airs. Encore une attaque au centre, ouais. Une superbe attaque ici de Charlène Robitaille. Au centre, bien placé, 2-1, et la Rive-Sud qui va reprendre le service avec cette même Robitaille. Superbe attaque ici de la capitaine Saint-Aubin. Allez, avec une attaque vers le fond de Sabrina Meyer. Le ballon sort et c'est 2-2 la marque. On commence déjà fort avec des bonnes récupérations des deux équipes. Là, on lâche pas. Charlène Robitaille au service. Belle défense ici. À l'extérieur, belle tentative ici de Catherine Vercheval. Le ballon est sorti et c'est 3-2 pour la Naudière. Chaque équipe en féminin, c'est une marque de commerce d'avoir beaucoup de défensives. C'est là qu'il faut profiter des balles qui nous sont offertes pour réussir à le marquer le plus vite possible. Filet attaque au centre. Le ballon n'a jamais traversé. 4 touches pour Rive-Sud et c'est 4-2 pour la Naudière. Au service pour la Naudière, la numéro 18, Ariane Polos. Superbe attaque ici de Delphine Grenier. En parallèle, et c'est 5-2 pour la Naudière. On parlait présence au filet, Nicolas. On voit des attaques beaucoup plus puissantes de la part de la Naudière malgré leur manque de grandeur comparativement à l'équipe de la Rive-Sud. Et oui, je dirais que chaque fille a quand même une très bonne impulsion. Elles sont peut-être un peu plus petites, mais une bonne impulsion peut tout changer et il y a une bonne frappe, une bonne force de frappe. Donc l'épaule qui rentre dans le ballon. Avec un bon fouet de la main pour donner de la rotation et de la vitesse au ballon. Très belle attaque ici de Myriam Maherzi. Le bloc a envoyé le ballon à l'extérieur, donc c'est point pour la Rive-Sud. 5-3 pour la Naudière. Maherzi au service. On va attaquer au centre. Beau bloc ici. Petite erreur de communication du côté de la Rive-Sud. Bon, peut-être un peu de nervosité de la part de la Rive-Sud là, en début de match parce que manque de communication, comme tu as dit. Ça veut dire de revenir à des choses simples pour la suite des choses. Maud Pelletier au service pour la Naudière. Une belle attaque du milieu du terrain de Sabrina Meyer. Le bloc n'a pas réussi à reprendre ce ballon et c'est 6-4 et on va retourner au service pour la Rive-Sud avec Catherine Vercheval.
encaisser. Superbe bloc de Florence Cloutier. Donc, encore des frappes en puissance de la part de la Naudière. On essaie de travailler sur les mains, mais comme on dit, on vient de voir là, la grenade de la Rive-Sud qui fait son travail au bloc. C'est 5, la marque pour la Naudière vers Cheval au service. Saint-Aubin à nouveau. Bien repris en défense. Attaque au centre. Ben, le trop long pour Arithude. Et c'est 7-5 pour la Naudière. Au service, la capitaine Marianne Saint-Aubin. La défense ici de l'Arithude, bien rattrapée encore une fois. Attaque dans le filet. Et point pour la Rive-Sud, 7-6, la marque pour la Naudière. Deux belles récupérations de la part de la Rive-Sud sur le très beau service de Marianne, c'est au bain. Donc le libéro a réussi à la remonter et on a récupéré sur la première balle frappée de la part de cette de la Naudière. Gabriel Cloutier au service. Belle défensive ici. Au centre. Bien placée cette attaque. Une très belle frappe qui est passée à côté du bloc. Très bien gardée de la part de l'attaquante ici là, qui a trouvé le trou où frapper en puissance. Il me semble que c'était beau séjour au Colosse. Au service pour la Naudière. Delphine Grenier. 8-6 la marque pour l'équipe bleue. Le bloc, la Rive-Sud qui l'envoie à l'extérieur. Très bien joué de la part de Pelosi qui a frappé en hauteur sur les grandes mains des bloqueuses de la Rive-Sud pour faire une déviation vers l'extérieur. 9-6, la Naudière. Grenier au service. Le ballon n'a pas traversé. 10-6, le temps d'arrêt demandé par la Rive-Sud. Non, excusez-moi, erreur. Non, pas encore. Juste un peu de motivation assez joyeuse, là. C'est de faire les choses simples. Grenier au service. Superbe attaque de Florence Cloutier sur la ligne. 10-7 la marque. Rive-Sud au service et Florence Cloutier va servir. On va toucher au filet du côté de la Rive-Sud. 11-7. Il va falloir que la Rive-Sud capitalise sur les balles faciles qu'ils reçoivent. Donc, une balle facile, c'est une balle qui est retournée plus facilement. Donc, qui donne la possibilité de faire une contre-attaque plus rapide. Donc, un petit manque de communication ici là, pour. Et on touche le filet. 11-7 pour la Naudière. Au service, c'était Barry. Attaque au centre, belle défensive de Saint-Aubin. Los. Belle attaque ici. Superbe Sabrina Mayer. Et on a attendu l'opportunité du côté de la Rive-Sud, Nicolas. On a l'opportunité et on a entendu quelqu'un. On a l'opportunité de frapper en puissance sur la ligne qui était laissée par les bloqueurs. Marie-Lou, qui vient cela? C'était Sabrina qui est allée en puissance pour marquer son point. Là.
Superbe attaque de Bossejo pour la Naudière et on réplique immédiatement. 12-8 la marque pour la Naudière. Et au service, ce sera la numéro 5, Maggie Bossejo. Saint-Aubin en première touche au filet. 13-8 la marque. Une constance. Le premier temps mort là, qui est demandé. Temps mort demandé par l'équipe de la Rive-Sud, il me semble. Oui, par la Rive-Sud, hein, pour calmer le jeu après une erreur en réception. Un début de match un peu difficile pour la Rive-Sud. On sent beaucoup de nervosité peut-être du côté de ses joueuses. Ça va être important du côté de l'entraîneur de calmer, mais également de commencer à préparer la suite du match. La suite du match, hein, de calmer présentement pour ce cours. Donc le match n'est pas encore terminé. En féminin, c'est une marque de commerce. Là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, une remontée. Donc, c'est de revenir au comité d'entraîneur, de revenir aux choses simples, la réception de service, d'aider son passeur à ce qu'il puisse bien positionner ses attaquants pour marquer les balles. Et ce qui est surprenant, Nicolas, c'est de voir la présence au filet très dominante de la part de l'équipe d'Anaudière. Depuis le début, on parlait de la taille des joueuses de la Rive-Sud qui semblait leur donner un avantage. Mais du côté des équipes de la Naudière, comme vous disiez, beaucoup d'impulsion, beaucoup de puissance dans les frappes. Oui, beaucoup de puissance dans les frappes, ce qui les fait ressortir. Parce que, comme on a dit, la Rive-Sud, des grandes joueuses, donc imposantes au bloc à l'avant. Mais avec les puissances frappes de la Naudière, on réussit à percer le bloc et marquer son point. Alors, on va reprendre ce match. 13-8, la marque au service. La Naudière qui mène dans ce premier set. Et Bossejo qui va servir. La cheval bien bloquée. Superbe bloc de la numéro 7 de la Naudière. Maud Pelletier. Donc là, ici, la Rive-Sud, là, après le temps mort, on a une petite difficulté, mais c'est de s'en remettre dedans, puis de continuer. Puis pour la Naudière, on reste constant. 14-8, la Naudière. Bossejo au service. Le service est à l'extérieur. On a essayé de placer cette balle. Belle tentative. 14-9 maintenant la marque. Et au service pour l'équipe de la Rive-Sud, Charlène Robitaille. Attaque de Saint-Aubin en puissance. Bien croisé cette attaque et c'est 15-9 la marque pour la Naudière. De belles frappes, il n'y avait personne pour récupérer. Voilà sur service. Bon service mâché, petite erreur en réception. Mais c'était un très beau service de Pelos. Oui, très beau service, flotteur avec... Avec la puissance, donc ça vient plus vite. Donc, c'est plus difficile au réceptionneur de se placer adéquatement. 16-9 la marque pour la Naudière. Pelos au service. À l'extérieur, bien jugé de la part du libéraux de la Rive-Sud. 16-10 la marque et au service Myriam Maherzi. Ça va être important d'engranger une séquence de points pour la Rive-Sud. Oui, juste 2-3 points, des fois, ça peut permettre à l'équipe de retour dans le match. La défensive ici de Grenier, l'attaque au centre. Et au filet, Florence Cloutier qui remet ce ballon en première touche. 16-11, la marque pour la Naudière. Myriam Maherzi pour la Rive-Sud au service. On va bien ramener ce ballon. Bel effort ici de la numéro 8 de la Naudière, Clémence Barry qui ramène ce ballon. On avait du côté de la Rive-Sud, on n'était pas prêt à recevoir. On avait un jeu décousu du côté de la Naudière. On a réussi à retenir le ballon et on n'était pas prêt. Manque de déplacement rapide et on a manqué la manchette. 7-11, la marque Pelletier au service. Belle défense.
Et à cheval. Belle attaque ici, Florence Coutier. Un très beau point. L'Anodiane ne lâche pas, donc on ne veut pas que le ballon tombe de son côté. On tente tout ce qu'on a et on force la Rive-Sud à marquer le point. 17-12, la marque. Vercheval au service. Belle attaque ici, Sabrina Maillère. Et la présence au filet de la Rive-Sud qui commence à se faire sentir. 17-13 la marque. Sabrina là, qui commence à prendre ses marques et à trouver les angles pour frapper des points. Vers cheval au service. Belle défensive de Pelos là-dessus. Grenier dans le filet. Okay, juste quelques, on a quelques points de la Rive-Sud. Ça peut les mettre en confiance et puis remonter la pente. Et c'est plus, on peut voir des Nodiac qui commencent à avoir un peu de nervosité sur leur coup. 17-14. La cheval au service. Belle défensive du côté de la Rive-Sud. Un superbe bloc de Marianne Saint-Aubin. Il avait plus de place. C'est bien tenté de la part de Sabrina Maillère de voir que le bloc envoie le ballon à l'extérieur, mais les mains étaient là avec force. 18-14, Saint-Aubin au service. Lanaudière qui mène. Le ballon était trop bas. Belle tentative d'attaque au centre. Mais c'est point pour Lanaudière. 19-14 pour l'équipe de Lanaudière. Saint-Aubin au service. Belle attaque de Maillère. Superbe. 19-15 la marque. Donc c'est un 4 points d'écart. Mais à chaque fois que Lanaudière réussit à recueillir le ballon, ils vont toujours chercher un point lorsque la Rive-Sud a réussi à aller rapetisser l'écart. Gabriel Cloutier au service. Service bien placé. Déplacement difficile pour Pelos et c'est 19-16 la marque. Très beau service de Gabriel Cloutier. En féminin, le service peut être une force à la grandeur des athlètes et à la hauteur du filet. Ça vient vite. Attaque au centre, Pelos. Repris en défense vers Maillère. La défensive à nouveau de Pelos. Maillère dans le filet. Malheureusement pour la Rive-Sud, c'était bien tenté, bien construit. Et Lanaudière qui ne lâche pas. 20-16, la marque. Grenier au service. Petite erreur de la part de Sabrina Maillère là, qui, au lieu de faire jouer mal positionné, a voulu frapper en puissance, mais malheureusement dans le filet. Le service sur la ligne. On pensait qu'elle sortait de la part de la Rive-Sud. Mais un très beau service flottant, bien précis. 21-16 la marque. Au deuxième, un autre temps mort du côté de la Rive-Sud. Commence à être minuit moins une dans ce premier set pour la Rive-Sud, Nicolas. Oui, minuit moins une, comme on l'a dit. On récupère un point sur un beau service tout à l'heure. Après ça, Lanaudière reprend le service et vont chercher un autre point. Donc, le point qui était gagné a été immédiatement reperdu. Ce serait bien de capitaliser quand on a la réception, donc on a l'avantage. C'est nous qui attaquons, donc il faudrait réussir à marquer ses balles du premier coup et récupérer le ballon et le garder cette fois-là. On sent une équipe de Lanaudière qui est très à l'aise, qui est complètement lâchée, on dirait, en quelque sorte. On ne sent pas une énorme nervosité du côté de ces joueuses, alors que du côté de la Rive-Sud, on semble retenir un peu plus ses gestes. On retient. Je pense que le fait d'être à la maison peut répondre à cette question. Avec Lanaudière, l'entraîneur a dû leur dire qu'ici, la pression n'est pas sur eux, elle est sur la Rive-Sud. Ils sont chez eux, ils veulent gagner la médaille d'or lors des Jeux de Longueuil.
Donc, la Nodière, sans pression. Elle n'existe pas et elle est haute sur les épaules de la Rive-Sud. 21-16 dans ce premier set. Grande finale du tournoi de volleyball féminin. Au service, Grenier. Beau bloc de la Nodière. Et superbe attaque de Pelos en première touche. Quand on parlait de manque de complexe, Pelos joue un superbe set jusqu'à maintenant, Nicolas. Oui, un superbe set. Frappe bien, présente au filet avec sa petite taille, une bonne impulsion. Et elle est alerte. 22-16, la marque, la Nodière. Attaque au centre. Bien repris en défense. Pelos à nouveau bloqué. Très beau bloc de la part de la Rive-Sud. Charlène Robitaille qui bloque cette balle. Et c'est 22-17 la marque. Au service, Florence Coutier. Une séquence de points qui pourrait être importante ici. Là. Et on change la serveuse. On va envoyer au service la numéro 12, Océane Couturier. 22-17 la marque. Premier set de ce match, grande finale. Superbe service. Très bon changement de la part de. Très bon changement de la part de la Rive-Sud là, qui est payant. Un premier service en rentrant et un as. 22-18. Saint-Aubin dans le filet. 22-19. La séquence qu'on voulait est peut-être débutée de la Rive-Sud. Donc, bon, la Océane Couturier qui rentre et qui a un bon service donne la difficulté à la Nodière. Couturier, il a repris par Grenier. Attaque au centre, beau séjour. Le bloc s'est bien repris. Maillère dans le filet, 23-19. Okay, on voit que Sébastien Maillère essaie de contourner le bloc, de frapper à côté. Et ça ne fonctionne pas, frappe trop bas et puis encore dans le fond dans le filet. Maillère va être remplacé par Jade Gauthier. Au service pour la Nodière, la numéro 8, Clémence Barry. Et la marque, 23-19 dans ce premier set pour l'équipe de la Nodière. Attaque au centre, belle défensive de Saint-Aubin. Heureusement, attaque de Grenier dans le filet. 23-20. Et ce sera serré jusqu'au bout, ce set. Et on va essayer de capitaliser. Un mauvais mot que je vois, Gabam. Capitaliser. Exactement. Au service, on va renvoyer Sabrina Maillère. C'était Jade Gauthier. Il laisse sa place. 23-20 la marque. Premier set de ce match final. C'est le moment de faire mal. Cheval, belle défensive. Bon séjour, l'attaque dans le fond. Une très belle séquence de la part des deux équipes. Oui, une très belle séquence, je dirais que la Rive-Sud a eu ses chances de marquer le ballon et nous a pas prises. Et une erreur de beau séjour à l'attaque qui donne le point à la Rive-Sud. On a eu chaud du côté de la Rive-Sud, c'est 23-21. Et temps mort du côté de l'entraîneur-chef Yvon Turgeon de la Nodière. On est à deux points de ces sets et il ne faut pas échapper ce set. La Rive-Sud qui reprend son momentum, qui semble trouver ses marques et se lâcher un peu plus dans ce match. Oui, comme je vous disais, il commence à prendre ses marques. Embarque dans le match, prend
l'ambiance qu'il y a ici là, de son côté. Elle laisse peut-être un peu tomber la nervosité. Mais Lanaudia, comme vous avez dit, ne doit pas échapper ce match, a mené du début à la fin. Donc, faut revenir encore une fois à ce qu'on faisait de bien au début. Et on continue, on va chercher son 24e point. Là. Premier set de ce match, 23-21 la marque. Lanaudia qui mène. Mais la Rive-Sud a le momentum au service. La numéro 6, Sabrina Maillé. Magnifique service. Bien repris en défense. Percheval. Belle défensive encore une fois. À part d'Anaudière. Pelos. Placé. Superbe placement. D'une touche de Pelos, on joue intelligent du côté de l'attaquante de Lanaudière. Oui, très beau type. On a vu par-dessus le bloc, où est-ce qu'on appelle au communal, on voulait barre la piscine. Donc, le milieu de terrain, où est-ce qu'il n'avait personne. Beau séjour au service. Et point de manche pour l'équipe de Lanaudière. Vercheval, superbe attaque en parallèle. Et la Rive-Sud qui ne veut pas laisser tomber ce set. 24-22 la marque. Au service, la numéro 7 pour la Rive-Sud, Charlène Robitaille. On va voir à côté de la Rive-Sud, là, plus de chiens là, sur les mains. On ne veut pas que le ballon tombe. Donc, tout faire pour laisser le ballon dans les airs. Saint-Aubin en force, beau bloc. Superbe bloc de Gabriel Coutier. 24-23. Pour Lanaudière. La stratégie de la part de la Rive-Sud était claire sur ce jeu. Donc, Marianne Saint-Aubin qui était au filet, une des très bonnes joueuses de Lanaudière. Donc, on est allé deux blocs immédiatement sur cette joueuse. Très beau service une fois de plus. Encore une fois, le bloc. Et le bloc de la Rive-Sud qui va chercher l'égalité. 24-24 dans ce premier set. Et pour la première fois depuis le début du match, les deux équipes sont à égalité. Oui, Gabriel Coutier là, qui sort la rive sud du pétrin avec deux blocs pour de suite. Saint-Aubin, belle attaque, belle défensive de la rive sud. On y va avec Vercheval. Attaque au centre, Saint-Aubin. Et c'est à l'extérieur. 25-24, temps mort à Lanaudière. Donc, comme on l'a dit, là, Gabriel Coutier qui est venu avec deux blocs consécutifs, un sur Marianne Saint-Aubin et par la suite sur la passeuse qui a essayé de faire une deuxième. Donc, il a fermé la porte à Lanaudière pour mettre le pointage égal. Et la Rive-Sud a amélioré son jeu au filet précisément au moment où il le fallait. Deux blocs qui ont permis de créer l'égalité, de prendre les devants dans cette manche. 25-24 la marque pour la Rive-Sud. Ça prend deux points de différence, important de préciser pour nos auditeurs. Deux points de différence et comme on l'a dit, à ce stade-ci, il faut réussir à prendre l'avantage sur l'équipe adverse. Vu qu'on est en défensive, donc ceux qui sont à l'attaque, c'est ceux qui reçoivent le ballon. Donc la Rive-Sud doit réussir à marquer ses points sur son service. Donc encore une fois, au bloc et en défensive pour relancer par la suite le ballon. Au service, Charlène Robitaille dans une belle séquence qui permet à la Rive-Sud d'être à un point de remporter cette première manche. On avait dit que ce serait serré et ça l'est jusqu'à la fin du premier set. Robitaille au service, on fait des changements. La numéro 12, Océane Couturier qui est remplacée par Florence Cloutier. Donc Florence qui reprend sa place sur le jeu. Robitaille au service. Au centre, Saint-Aubin, bien placé la touche, mais très belle défensive. Maillé, et le point pour l'équipe de la Rive-Sud. Et le dernier point, là, encore une fois, Gabriel Coutier qui était présent au filet. Il y avait un peu de confusion. On semblait dire du côté de Lanaudière que ce ballon n'avait pas touché au sol. Oui, on semblait dire. On...
Ça va être intéressant de voir la fin de ce point reprise, mais c'est confirmé, la Rive-Sud qui remporte le premier set 26-24. Un très beau retour de la Rive-Sud qui, tout au long du match, tirait de l'arrière et au moment opportun, à partir du pointage de 20, a mis ses meilleurs atouts en évidence. On attend la reprise dans quelques instants. Donc, les athlètes de la Nodière disaient que peut-être que le ballon n'avait pas touché par terre, donc il a peut-être touché un pied. Ce sera intéressant de voir justement la reprise. On va revoir le point au complet, le service de Robitaille. Il a bel et bien touché au sol ce ballon. Et oui, il a bien touché au sol. Alors, c'est un premier set pour la Rive-Sud. La Rive-Sud qui a eu très chaud, qui a trouvé ce set difficile probablement. Mais du côté de l'entraîneur, on va vouloir capitaliser sur les derniers points de ce jeu, ce set. Important de rappeler que le bloc de la Rive-Sud finalement a sauvé ce set pour son équipe. Donc, comme on l'a dit au début, la grandeur des athlètes de la Rive-Sud a finalement ressorti. Donc, des bons déplacements. Je dirais que de la part des deux côtés, je crois que le plan de match a été bien respecté parce qu'on a vu beaucoup de défensives. Les athlètes sont bien placés, on frappe, on récupère beaucoup de ballons. C'est une marque de commerce chez les filles. Donc, le ballon est récupéré longtemps. Donc, il faut vraiment plus travailler pour réussir à avoir ses points. Et nous pouvons préciser dans ce premier set le travail extraordinaire au bloc, entre autres à la fin de ce set de Gabriel Cloutier pour la Rive-Sud. Également du côté de la Nodière, des joueuses comme Pelos, Saint-Aubin qui ont une présence très importante pour leur équipe. Et l'important maintenant pour la Nodière, c'est de ne pas se décourager et de continuer à faire ce qu'on a fait si bien pendant ce premier set. Oui, mais je peux peut-être en revenir aussi même sur les journées 1 et 2, où est-ce qu'on a fait des belles choses tout au long du week-end. Et puis, on sait qu'on est capable de le faire, donc c'est de revenir sur les choses qu'on fait bien et de capitaliser sur nos attaques. Alors, on va rester en image pour quelques instants. Les entraîneurs parlent à leurs équipes et nous, on vous revient pour le deuxième set de ce match. Rive-Sud qui mène 1-7-0 en 49e finale des Jeux du Québec. On se retrouve dans quelques secondes pour le deuxième. Ce deuxième set au service pour la Rive-Sud, Charlène Robitaille. On commence pour un début. Très beau service court. On lance dans le filet. Et c'est 1-0 pour la Rive-Sud. Robitaille qui reprend là où elle a laissé à la fin de la première manche. Très efficace au service, Charlène Robitaille. Belle attaque de Pelos. Elle était très bien placée. Elle ne pouvait pas frapper vraiment en puissance. Elle est allée plus en finesse. Elle a frappé pour mettre plus l'équipe adverse en difficulté. Et c'est ce qu'elle a fait. Un partout la marque. 1-7-0 Rive-Sud et Pelos au service. Vercheval bien placé. Encore une fois cette attaque. Superbe défense. On n'arrive pas à faire passer le ballon de l'autre côté. Bel effort de la part de la Nodière. Mais la Rive-Sud marque et c'est 2-1 la marque pour la Rive-Sud. Bel effort, donc on a réussi à récupérer le type de Catherine Vercheval. Myriam Maers au service. Oh.
Archibald. Superbe attaque de l'Archibald. Il bloque la touche, mais sort à l'extérieur. Et c'est donc 3-1-1 pour la Rive-Sud. Lanaudière qui a été ébranlé par la fin du premier set, il semblerait. Oui, ébranlé. Et puis Vercheval qui capitulise sur la petite passeuse. Donc la passeuse de Lanaudière qui est plus petite. Donc moins haute au bloc pour faire marquer ses points. Et l'attaque encore une fois de la Rive-Sud. Belle défense du libéro Lanaudière. Centre, Maillère bien repris par le bloc. Encore une fois, le travail du bloc de Lanaudière est extraordinaire. Grenier, la défensive. Bien vers Cheval à nouveau. Tout un échange des deux équipes. Et Grenier qui a bien placé cette balle, on était capable de ramener du côté de la Rive-Sud. Très bel échange à parler de Bel échange, on voit que les temps de mal défensifs se placent bien. Des bonnes frappes, on est placé, on remonte la balle et des fois c'est des petites choses qui font qu'on peut réussir à faire un point. 3 de la marque pour la Rive-Sud au service, c'était la numéro 7. Et un beau travail du bloc ici, Saint-Aubin. 3-3 la marque et Pelletier au service. Concentré, il ne faut pas oublier de s'amuser, c'est quand même un jeu des fois quand on veut prendre trop ça au sérieux, on fait des petites erreurs pour réussir à garder le sourire. Le ballon est à l'extérieur, bon service encore une fois de Pelletier, et 4-3 la marque pour Lanaudière. Deuxième magnifique service. Service qui frôle la bande supérieure du filet pour descendre rapidement. Il donne des difficultés au réceptionnaire de la Rive-Sud. Pelletier, vous savez, 5-3 la marque pour Lanaudière. Attaque au centre. Bien placé, belle défensive. En place. On joue très bien en défensive des deux côtés. Oui. C'est le moment, une balle facile là ici. Ça concentre, bien repris en défense. Et première touche, Vercheval. Il est très près au filet. Donc, le ballon est venu, aucune hésitation, on a sauté pour frapper au premier contact. 5-4. La marque pour Lanaudière, Vercheval au service pour la Rive-Sud. Bien sauvé ici. Attaque de Bruno. Il y a une belle tentative de Marianne Audobin de faire un type de placer le ballon de l'autre côté. Et on avait presque surpris à la Rive-Sud. L'attaque était dans le filet et c'est Vercheval au service, 5-5 la marque. Bon service de Vercheval. Il a eu de la difficulté à contrôler ce service de la part du libéro. Et c'est 6-5 la marque pour la Rive-Sud. Les deux équipes, quelquefois, ont de la difficulté à mettre la réception à la bonne place, ce qui est plus difficile après pour faire des points. Le service légèrement trop long de Vercheval, 6-6 la marque. On va reprendre le service. Et c'est la capitaine Marianne Saint-Aubin qui va servir pour la Lanaudière. Encore une fois. Et le bloc a touché.
une félicitation de la part de Gabriel Vercheval. Là. Si le ballon était à l'intérieur, extérieur, s'il avait touché, on voit le ball dès qu'il y a une hésitation. On paye cher. On paye cher, oui. 7-6 la marque pour la Naudière. Saint-Thomas au service. Le bloc au centre de Gabriel Couty, encore une fois. Gabriel qui commence à monter ses marques, encore une fois, qui est présent au bloc. Des points, plusieurs points que Gabriel va chercher avec ses blocs. 7-7 la marque. Couty au service. Il faudra marquer ici, là. C'est une belle facile. Cloutier attaque en fond de terrain. Deuxième chance ici. On a belle facile. Manqué le premier point, mais on s'est bien récupéré par la suite. 8-7 la marque pour l'équipe de la Rive-Sud. La Rive-Sud qui mène 1-7 à 0. Et le service de Cloutier qui touche le filet pour une deuxième fois en deux services d'ailleurs. C'est rare. L'attaque de Cloutier, on reprend bien en défense. Superbe bloc. Bon séjour au bloc. 8-8 là-bas. On voit beaucoup de choses dans ce match. Beaucoup de blocs de la part des deux équipes. Des bonnes défensives. Et on frappe fort. Donc, très bon match. Au service, le numéro 4, Grenier. Maillé. Et c'est à l'extérieur cette attaque. 9-8 pour la Naudière. On a tenté de jouer sur les mains des attaquants. On a frappé trop haut. Delphine Grenier au service. Conception difficile. C'était tout un service de Grenier. 18 la marque pour la Naudière. La vitesse, donc, Savogina est confiante. Donc on voit des fois qu'elle a pris une réception, elle a baissé la tête. Il ne faut jamais arrêter, un match n'est pas terminé, on a pu le voir au premier set. À l'extérieur, le service des Greniers. 19 la marque, la Naudière qui mène, et au service, Florence Cloutier pour la Rive-Sud. Deuxième set un peu plus serré que le premier en début de match. Hors des croisés sur le long de la ligne, 10-10 la marque. Juste enlever un peu de puissance sur la frappe et puis on a réussi à marquer. On tient encore au service. Maherzi, Charlène Robitaille. Myriam ici, la passeuse, la passeuse qui est sautée pour sauver le ballon à une main pour faire la passe au joueur de centre. Très belle pièce de jeu. 11-10 la marque pour l'équipe de la Rive-Sud. Un beau service encore une fois, réception difficile. 12-10 pour la Rive-Sud. Belle séquence au service de Florence Cloutier. Comment demandé par la Naudière. Sud qui a un meilleur départ que lors de la première manche. Ce qui permet d'avoir les devants et que dans ce deuxième set, c'est Danosia qui prend le premier temps mort. Et du côté de la Rive-Sud, on a réussi à capitaliser sur les services, sur ses propres services qu'on n'avait pas réussi à faire lors du premier set. On a vu une belle séquence récemment de Florence Cloutier. Également beaucoup plus
de facilité à contrôler le filet comme on espérait qu'il le fasse au début. Des très bons services, mais l'équipe avait sa difficulté. Et comme on dit au début du match, la grandeur, on s'est imposé au filet. Ce qui aide, ce qui permet d'avoir des points, des balles faciles pour relancer l'attaque. Alors, on est en temps mort. Il reste quelques secondes à ce temps mort. Du côté des entraîneurs, du côté de la Rive-Sud, on veut continuer à y aller un point à la fois et garder cette constance qu'on a depuis la fin du premier set. Du côté de l'Indienne, ça va prendre une réaction d'orgueil parce que le set va avancer très, très vite. Oui, là, on est quasiment à la moitié du set. Ça va avancer, donc l'orgueil, on le voit, on est en finale. On veut aller le chercher, le troisième set est possible pour eux. C'est d'y aller, on frapper avec force. Et puis, ne jamais lâcher. Florence Côtier au service. Attaque au centre. Bon bloc ici. De la part de Robitaille. Maillé. Et le bloc qui touche. Et qui envoie cette balle à l'extérieur, c'était Marceau. Et c'est 13-10 la marque. C'est très difficile quand on joue sur une main, la balle dévie rapidement. Et plus difficile pour le défenseur après de remonter le ballon. L'attaque de l'Archimal, très belle attaque, bien placée. L'attaque du 3 mètres ici, par-dessus le bloc de Beau Séjour qui tombe dans le terrain. On m'a dit tout à l'heure, on va voir l'orgueil et puis que les athlètes de Nolzer veulent marquer leurs balles, pas donner des balles faciles à la Rive-Sud. Et on déroule de plus en plus les points du côté de la Rive-Sud. La défense maillée, placée, superbe, une fois de plus, au filet. La Rive-Sud qui domine au filet dans ce deuxième set. Et on voit la différence dans le pointage, c'est 15-10 pour la Rive-Sud en ce moment. Et l'élimination, on a vu la grandeur des athlètes. Donc le Beau Séjour qui est allé faire un titre, mais les athlètes tellement grands, qui avaient permis à la défensive de remonter le ballon. On vient de donner le point cependant. Florence Coutier qui sert dans le filet, 15-11 la marque. Au service, Manceau pour l'équipe de Lanaudière. C'est le genre de petites erreurs qu'il faut éviter à ce temps-ci du match du côté de la Rive-Sud. Oui. Maillé, attaque. Saint-Aubin, le terrain, bien repris en défense. Maillé à nouveau. Belle attaque, belle défensive de Saint-Aubin. Oh, deuxième touche, la passeuse. Myriam Maherzi. Il faut éviter de manquer des services de part de la Rive-Sud pour ne pas donner de points trop faciles à Lanaudière. On a le momentum, la foule est derrière nous. On continue sur notre lancée. L'attaque de Lanaudière dans le filet. 17-11 la marque. En mort. Changement du côté de Lanaudière. Beau Séjour qui sort, remplacé par Océane. Non, excusez-moi. Du côté de Lanaudière, c'est Audrey Robidoux qui se rentre et qui remplace Maggie Beau Séjour. Au service, la numéro 6, Sabrina Maillé. Pour l'équipe de la Rive-Sud qui mène 17-11 dans ce deuxième set. Belle attaque sur la ligne en parallèle. Et c'est 17-12 maintenant la marque. Robidoux qui va aller au service. Delos qui, encore une fois, joue un très bon match. Va chercher le point pour son équipe pour récupérer le ballon. Au service de Robidoux dans le filet. Trop court. 18-12. Et au service, Charlène Robitaille. Même chose pour le Nolzer. Il faut éviter de donner des points gratuitement sans travail à la Rive-Sud. Service court. Vers cheval. L'attaque dans le mur. Dans le bloc et le bloc qui envoie extérieur. C'est 19-12. Et la Rive-Sud qui est en train de prendre une sérieuse option
sur ce match. La Rive-Sud qui mène 1-7 à 0. Donc on voit la Rive-Sud qui commence à avoir beaucoup plus de confiance dans leur frappe, dans leur mouvement, service court, tout fonctionne. Saint-Aubin à l'extérieur, l'attaque bien passée de la part de Saint-Aubin. Ses points pour la Rive-Sud étant mort, on manque du côté de la Naudière. Le temps commence à presser. 20-12 la marque pour la Rive-Sud. Et dans ce deuxième set, on n'a pas vraiment vu l'équipe de la Naudière jusqu'à maintenant. Non, on l'a pas vu, mais comme on a dit, la Rive-Sud a pris le contrôle du filet. Ça a permis à stabiliser l'arrière, plus de défensive, plus difficile pour la Naudière de marquer, de trouver des places pour marquer. Mais la Naudière n'a pas trouvé leur marque. Donc plus difficile, mais la Rive-Sud est là, en confiance, avec leur foule ici derrière. Je crois que les prochains points, il va y avoir beaucoup d'ambiance ici là, au Cégep Édouard-Montpetit. Et il y en a déjà beaucoup et ça ne fera qu'augmenter, mais du côté de la Naudière, le match n'est pas fini. On a vu la Rive-Sud revenir dans le premier set dans une position difficile également. Alors ça va être très intéressant de voir la suite de ce deuxième set. On n'a plus vraiment droit à l'erreur du côté de l'équipe de la Naudière. On n'a plus droit à l'erreur. On a une situation très similaire. La seule différence, c'est que, si je me souviens bien, c'était 20-16 lorsque le Régis a pris son deuxième temps mort. Et là, il y a un petit 4 points de différence qui peut changer toute la donne. Numéro 7, Charlène Robitaille au service. 20-12, la marque pour l'équipe de la Rive-Sud. Saint-Aubin, arrière, en croisée, superbe attaque. Et c'est 20-13, la marque Pelos au service pour la Naudière. Il faut éviter pour la Rive-Sud d'avoir plus de pression. C'est les derniers milles pour la médaille d'or. Saint-Aubin, superbe encore une fois. Saint-Aubin précise. Merci, Saint-Aubin qui commence à prendre un peu plus de forme là, et qui veut travailler plus fort encore. Là, parce qu'il y a une belle attaque par-dessus Gabriel Coutier qui tantôt fait des bonnes choses au filet. Et là, c'est à nouveau au service. Et une belle touche en deuxième contact de Maherzi. Il a donné les devants 21-14 à l'équipe de la Rive-Sud et c'est cette même Maherzi qui va aller au service. Maherzi qui était alerte, qui a vu qu'il y avait moins de chances de faire une bonne passe, qui a décidé d'envoyer immédiatement de l'autre côté. La défensive. Voyez. Trop bien placé de la part de Vercheval là. Superbe touche de Gabriel Coutier. Encore une fois, le travail de Florence et Gabriel Coutier au filet. 22-14 la marque pour la Rive-Sud. Deuxième set, 1-7 à 0. Et on vous rappelle qu'on joue pour la médaille d'or. Trop long. Après un très beau jeu de Myriam Maherzi là, au filet pour sauver encore une fois cette balle pour que Yabegel puisse la marquer. Peut-être un peu trop de force sur le service. 22-15, la marque. Et c'est très difficile, un très beau service ici. Le numéro 7, Maud de Pelletier. 22-16. C'est une manque de communication entre les athlètes et le service qui est allé entre les deux. Très bien fait, Benodier. Elle défense. Elle attaque de Coutier ici. 23 à 16 la marque pour la Rive-Sud. Et encore une fois, au filet, on est très solide pour l'équipe de la Rive-Sud dans cette deuxième manche. Catherine Vercheval au service. La Rive-Sud à 2 points de la médaille d'or. Dans le filet, le service. Petite erreur de concentration ici de la part de Catherine
Hercheval. Attention, veut se dépêcher, attendu, c'est précipité à faire son service. Saint-Aubin au service, 23-17 la marque. Et on a tenté la touche courte. Au filet, 23-18 la marque. Saint-Aubin au service à nouveau. Ça se rapproche, il va falloir quelques points. On va garder la confiance, on va dire encore, là. C'est pas terminé. Un match excitant. Foutier. L'attaque de Foutier bien placée. 24-18. Et on est à un point de la médaille d'or pour l'équipe de la Rive-Sud. Au service, Gabriel Cloutier. Il sera remplacé par la numéro 11, Estelle Zinouyev. Donc, les sœurs Cloutier, donc Florence et Gabriel, qui ont fait un très fort match aujourd'hui. Gabriel au bloc et Florence à l'attaque. Là, très bon match. Zinouyev, le service, 24-18, la match superbe. Et Anas, et c'est fini. La Rive-Sud qui l'emporte 25-18 dans ce deuxième set et qui est médaillé d'or en volleyball féminin de la 49e finale des Jeux du Québec. Nicolas, en deuxième manche, la Rive-Sud a complètement déroulé le compresseur sur l'équipe de la Naudière et on a manqué de moyens du côté de l'équipe de la Naudière pour essayer de revenir dans ce match. On a manqué de moyens. La Rive-Sud qui a pris son air d'aller a continué sur la fin du premier set, n'a jamais arrêté et puis l'inévitable est arrivé. Donc la Rive-Sud qui remporte chez eux une médaille d'or. Mention honorable à l'équipe de la Naudière qui a joué un très bon match. On est passé très près du côté de la Naudière de remporter la première manche principalement. Oui. Ce qui aurait donné un match complètement différent. Mais la Rive-Sud jouait à la maison. On a vu qu'à partir du moment où elles étaient à l'aise au filet, des joueuses comme les sœurs Cloutier, Vercheval, Maillère, Maherzi, qui a fait un très fort match également, ont réussi à aller chercher cette médaille. Nicolas, le prochain match sera une autre finale en volleyball masculin cette fois-ci. Et on verra l'équipe de la Rive-Sud encore une fois Rive-Sud, oui. Qui va affronter la capitale nationale. Deux équipes qui se connaissent bien. On suivra ça à partir de 18h. Nicolas, merci beaucoup. On se retrouve donc dans approximativement 30 minutes pour la grande finale volleyball masculin. Je vous rappelle que dans ce match, la Rive-Sud l'a emporté par 2-7 à 0 et remporte la médaille d'or en volleyball féminin de la 49e finale des Jeux du Québec. En direct du centre sportif du Collège Édouard-Montpetit, nous nous retrouvons dans 30 minutes pour la finale masculine. À tout de suite. À tout de suite. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier.
et hop, 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 et hop, 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 hop. Hé, hey, gagnes-tu? Mais en que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Oh, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. Ce profil de Fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Bonjour, je m'appelle Félix, j'ai 12 ans. Ben, je fais du vélo de montagne depuis beaucoup d'années, depuis l'âge de 7 ans environ, puis je trouve ça vraiment cool. À vélo de montagne, il y a différentes disciplines. Il y a la descente, qui est vraiment seulement de descendre le plus rapidement possible dans les côtes. Et puis, il y a aussi le cross-country. Le cross-country, ça se fait sur des sentiers, puis c'est vraiment des distances à parcourir dépendant des catégories. J'aime bien les montées. Je trouve ça cool parce que toutes les autres trouvent ça épuisant, mais moi, j'ai pas mal de facilité là-dedans. Puis aussi, l'adrénaline, puis tout en descente, puis tout. Pas mal tout, en fait. Les jeunes qui s'intéressent au vélo de montagne sont souvent un peu casse-cou au départ. Alors, ils aiment descendre, ils aiment faire des sauts avec leur vélo, ils aiment lever la roue avant, ils aiment faire des slides avec la roue arrière. Fait que ça, c'est ce qui attire les jeunes au départ. Puis ensuite, à un moment donné, ils sont très surpris de savoir qu'en vélo de montagne, il faut aussi monter des côtes. Alors là, on va avoir des jeunes sportifs. On a ils deviennent très, très habiles sur les vélos. Puis à un moment donné, le jeune qui aime se dépasser, il va probablement aimer s'entraîner en vélo de montagne. C'est sûr que c'est difficile quand il y a beaucoup de racines puis beaucoup de bouettes parce que je dirais que quand tu piles sur des racines, tu vas glisser comme un fou. Là. J'aimerais bien faire les Jeux du Québec, mais j'aimerais vraiment avoir au moins une position dans le top 3 parce que c'est important. J'aime vraiment ça, puis j'aimerais au moins avoir une bonne position. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Je m'appelle Catherine Robillard, j'ai 15 ans. J'ai participé aux Jeux du Québec à Shawinigan en triathlon. Je fais du triathlon depuis 6 ans. Vraiment chargée parce que je fais du piano puis de la guitare. À chaque semaine, j'ai des cours de piano. Il faut que je pratique une heure par jour en plus de mes entraînements que j'ai comme plusieurs fois par semaine. Puis je ne veux pas laisser un pour l'autre parce que j'aime autant le sport que la musique. Triathlon, je trouve ça vraiment complet comme sport. C'est pas juste une discipline. Tu peux, admettons que tu es moins bon dans un sport, tu peux te rattraper dans l'autre. Puis c'est le fun. C'est plus comme... Tu peux le prendre compétitif comme tu peux le prendre récréatif. Fait que c'est comme... C'est le fun. L'année passée, j'ai eu un accident de vélo. C'était quand même un accident quand même assez sérieux. J'ai eu une commotion cérébrale, je me suis cassé le bras, j'ai eu deux opérations. Fait que j'ai dû arrêter le sport et l'école pendant plusieurs mois. Ça a été vraiment dur pour moi. Puis après ça, j'avais vraiment hâte de recommencer le sport. Mais quand j'ai recommencé, c'était plus difficile. Puis il fallait pas que je me décourage. Il fallait toujours
que j'essaie de continuer quand même. Quand je suis revenue à l'entraînement, j'ai essayé de m'entraîner comme avant, comme si j'avais pas eu mon accident, comme si j'avais pas arrêté de m'entraîner. Fait que genre, je me poussais trop. Fait qu'après ça, je me suis blessée à l'épaule, puis j'ai dû réarrêter de m'entraîner. Puis là, je recommence à m'entraîner pour être prête pour les Jeux du Québec.